Salut à tous, c'est Arkoun, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Alors c'est parti pour le solotage de la nuit noire de la semaine. Alors on a quoi comme modificateur? Brûlure abyssale, prestidigitateur, catapulte et exposition. Pour la brûlure abyssale, j'ai choisi l'arcaniste, arca abyssale, tout le monde sait que c'est cheaté. Donc exposition, les boucliers sont renforcés mais ne se rétablissent plus. Alors pour pallier à ce problème, dans votre doctrine, vous allez mettre attrait de l'abysse. Dès que vous tuez un ennemi avec vos capacités, cela déclenche le drain d'énergie et restaure vos points de vie. Ensuite, vu que la brûlure abyssale est activée, vous allez mettre annihilation, ce qui augmente l'intensité des explosions créées par votre bombe nova et vos grenades. Bah pour l'attaque de mêlée, vous n'avez pas besoin de récupérer votre vie puisqu'il y a déjà l'attrait de l'abysse, donc vous allez mettre moisson d'âme, réduit le délai de récupération de votre bombe nova. Et bien sûr, les grenades à dispersion, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti, on commence. Si Omnigul peut revenir à la vie, pouvons-nous nous assurer qu'elle reste morte? Je me demande si la ruche se pose ce genre de questions à notre propos. Pour la ruche, la mort est relative. Nous affronterons Omnigul autant de fois qu'il le faudra. Bref, nous sommes faits pour être ensemble. Allez-nous. Voilà, maintenant regardez ce que je vous disais avec attrait de l'abysse. Dès que je vais tuer un ennemi avec ma grenade, c'est tellement cheaté, mais regardez la vitesse à laquelle les grenades remontent, c'est un truc de malade. Voilà une des raisons pourquoi j'aime l'arcaniste abyssal. Il est complètement cheaté. Allez, bon visionnage, gardien. Gardienne, vous me rappelez un peu Ikora lorsqu'elle participait à l'épreuve. C'était il y a bien longtemps. Je suis sûr que Shax n'a pas oublié. Il a toujours du mal à s'asseoir. Thank you.
cosmodrome s'est transformé en terrain fertile pour la ruche et l'aria. Ce bouillon de culture me dégoûte. Let's go.
Si Omnigul est de retour, c'est sûrement pour une bonne raison. Pas seulement pour crier, même si elle adore ça. Éliminez-la avant qu'il ne soit trop tard. Quel vacarme! Waouh!
Il n'y a plus aucune signature énergétique de la ruche. Ouais. Et si elle revient, nous reviendrons aussi. C'est fou. Omnigul est neutralisé et Eris n'a rien eu à faire. Tu devrais le lui dire. Crois-moi, elle préférerait que ce soit toi qui lui dise. Revenez, gardienne. Bon travail.